certainement la personne qui saura s'adapter à toutes les conditions de jeu. Être capable d'inspirer les autres tout en restant soi-même. Et en fait, c'est le seul moyen de performer et d'impacter autour de façon positive. Aider, première chose, essayer en fait de faire progresser les individus au travers du volet et en fait chercher plutôt l'accomplissement des gens au travers du sport. J'ai un faible pour la réception def parce que lorsque c'est bien exécuté et que tout le monde est au diapason, on a vraiment toutes les options pour attaquer derrière et faire des choses. Et surtout, il y a beaucoup plus d'impact sur ton adversaire lorsque tu es capable de résister et de faire tourner ton ballon et ça démontre une certaine solidité. C'est on ne perd jamais le nord. Tout simplement parce que sur une boussole, ça te donne la direction, que ça t'indique le nord, donc tu sais où tu veux aller et tu sais surtout d'où tu viens. Donc en fait, c'est le seul moyen de se recentrer un peu sur des temps morts et de dédramatiser. On se refocalise là-dessus et c'est certainement la phrase que j'ai dû le plus prononcer en coaching. L'humilité, l'ouverture d'esprit et avant tout, je pense vraiment, la solidarité. Alors tout d'abord, l'équipe de France des années 80, donc 86-88, qui m'ont vraiment donné envie de faire du volley. Ça a été pour moi une révélation de les voir jouer. J'étais tout minot à cette époque-là et ça m'a, en plus de Jeanne et Serge, fait avancer. Et puis la personne la plus déterminante, ça a été un prof de PS qui m'a mis un ballon dans les mains, Monsieur Lefrançois, merci beaucoup. Parce que c'est lui qui a été aussi mon premier coach et qui m'a fait avancer et il a eu du travail. Le coach idéal ou la coach idéale, c'est celui ou celle qui saura, à mon sens, combiner toutes les qualités techniques et humaines des individus pour former un collectif. Alors c'est un travail assez compliqué en soi, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut être de toute façon, dans tous les cas, même si tu as des bases un peu solides, être capable de proposer des choses, d'expérimenter, pas avoir peur de te planter. Et c'est le seul moyen de faire avancer les gens, je pense, pour le meilleur. Ça a été il y a quelques années, j'étais entraîneur d'une équipe de moins de 20 filles. On était en quart de finale de Coupe Île-de-France, Montigny Volley 95. Et en fait, on était à moins 5 au money time, ça commençait à être compliqué pour tout le monde. Et là, je prends un temps mort et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que les filles ont réussi à transformer la tension, juste avec quelques paroles rassurantes, vraiment, elles ont réussi à bonifier le truc. Ce qui fait que non seulement elles se sont imposées, mais après le match d'après, c'est certainement le match le plus fou qui a été fait, parce qu'il a été parfait techniquement, parfait en attitude. Et ce qui est paradoxal, c'est que en fait, si tu demandes aujourd'hui, tu n'as aucune des filles qui se souvient de ce match, alors que moi, je le connais par cœur, action par action. Et elles sont incapables de citer une seule action, parce que tellement elles ont roulé sur leurs adversaires dans l'euphorie et dans le renversement de ça. Le renversement du côté dramatique d'avant, c'est quelque chose qui les a portées. C'est aussi ces sensations-là qu'on cherche dans le sport. Et c'est pour ça que c'est certainement le truc le plus fou que j'ai vécu jusque-là. Soyez curieux, expérimentez, essayez, ne vous contentez pas de ce que vous savez faire, essayez d'aller toujours un petit peu plus loin, c'est le seul moyen de progresser et de s'éclater, quoi, de se découvrir.